Give me a heart trip exclusively. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi, je suis avec Christophe. Et c'est le moment de faire les courses. Donc on est à Grandfray. J'adore Grandfray. Alors je déteste faire les courses, mais j'adore aller à Grandfray. En fait j'adore choisir des légumes et des fruits. Je sais pas pourquoi, mais j'adore Grandfray, c'est un truc de ouf. Donc là on est à Grandfray, après un petit tour au drive pour récupérer des boissons et puis mes classes préférées et puis du sec. Et là on va acheter des fruits et des légumes. C'est cool. Voilà. Je suis explosée. Hier soir, on a regardé la télé super tard. On a regardé le documentaire sur Big Flo et Oli, là, qui est dispo sur Netflix. Et du coup, on s'est couché hyper tard. Et en fait, comme il faisait super chaud, on a dû laisser les fenêtres ouvertes. Sauf que, en ce moment, c'est les moissons. Et moi, j'habite à la campagne. Et en fait, on a entendu les moissonneuses, les tracteurs qui... Mais franchement, c'est des Formule 1, ces trucs, maintenant, qui tracent, en fait, juste devant nos fenêtres et qui font des allers-retours toute la nuit. Bon, peut-être pas toute la nuit, mais moi, en tout cas, je les ai entendus jusqu'à 3h du mat. Donc, voilà. Et comme on laissait les volets ouverts, sinon on crevait de chaud, enfin, entrebâillés, tu les entends bien. Et du coup, ce matin, avec la lumière du jour, à 6h, j'étais réveillée. Donc, j'ai dormi 3h, quoi. Je suis éclatée. Je suis éclatée. Mais c'est pas grave. Je vais aller faire mes petites courses. Voilà. Je vais essayer de filmer un peu à l'intérieur, c'est rigolo. Et surtout que je vais pouvoir le poser sur le caddie, je pense. Donc voilà. Et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure. Quand tu rentres de course et que sur la rocade, il y a tous les gens qui vont sur la côte. Parce que forcément, pour aller sur la côte, trois quarts, ils doivent passer par Rennes. Bon, là, il n'y a pas de chez nous, lui. Et c'est un Suisse. Et en fait, c'est que des touristes. Il y a les bagnoles, elles sont pleines à craquer, tu vois, les valises, tu vois. Voilà, donc là, les gens partent en vacances. Et nous, on essaye désespérément de rentrer chez nous. Ah putain, en plus, j'ai ma glace dans le coffre, elle va fondre. Voilà, la galère. Et encore, quand on vivait dans le Var, c'était 20 000 fois pire. Donc, on va pas se plaindre. Mais voilà. Voilà. Nous, ils doivent nous prendre pour des touristes. En plus, on est immatriculés ici aussi. Oui, c'est vrai que j'ai pas changé. Bon, je vais pas changer ma plaque juste pour ça. Hein. Donc voilà, donc c'est plein d'axes et ça parce que j'ai voulu aller à Grandfray alors qu'il y a des magasins bien plus près de chez moi, quoi. Bref, ah oui d'ailleurs j'ai rien filmé. Du coup je disais ouais, j'ai commencé à filmer à Grandfray et en fait je sais pas ce qui s'est passé mais il y avait un monde, mais un monde. D'habitude il n'y a jamais personne. Après ce que Chris disait, là, lui là, celui-là. Il disait que c'est vrai que d'habitude on y va plus tard que là. Et mais d'habitude il n'y a personne dans le magasin. Et là c'était mais genre blindé quoi. Donc j'ai pas filmé parce que il y avait vraiment trop de monde et j'ai déjà eu du mal à choper ce que je voulais. Donc voilà. Du coup on rentre, enfin on essaye désespérément de rentrer chez nous. Voilà. Et puis j'ai hâte parce que j'ai mon livre qui m'attend et j'ai super envie de continuer. Donc voilà voilà. Re-salut ! On va faire un retour de course. Je vois ça dans tous les vlogs des meufs famous. Alors comme je suis pas famous, et ben on va le faire aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'achètent les gros? Parce que ça, je suis sûre que tout le monde se pose la question. Les gros, quand ils font les courses, qu'est-ce qu'ils achètent? Attention, on va le découvrir ensemble. Les gros achètent du melon. Les gros achètent quelque chose qui pollue, mais qu'ils adorent. Des avocats. C'est pas bien d'acheter des avocats, ça pollue grave. C'est toi qui as pris ça? Oui, c'est moi qui ai pris ça. Des riz au lait. Christophe adore le riz au lait. Oui. Mousse au chocolat. Stéphanie adore la mousse au chocolat. La semaine prochaine, du coup, j'ai pris de la mozza. Donc, j'ai pris de la burrata et j'ai pris de la di bufala. Voilà, donc deux mozza. J'ai une bibouille là qui est très intéressée. J'ai pris des radis déjà lavés parce qu'il n'y avait pas des radis pas lavés. Des petites tomates cerises pour quand on boit l'apéro. De la pâte à lasagne pour faire une lasagne parce que j'ai du mal à en trouver dans les magasins où je vais. Des bananes de France, bon ok, des Antilles mais de France quand même. Du beurre salé, de la feta pour mettre dans la salade, ça c'est trop bon. Des crêpes parce qu'on est en Bretagne. Des spätzle parce qu'on est en Alsace, non parce que Chris adore ça. Moi, je suis pas ultra fan, mais Chris adore ça. Donc, quand il y en a, on en prend. Des tagliatelles fraîches, parce que moi, j'adore ça. Des tomates en grappe. Bon, c'est des sachets
en maïssant. Tomate en grappe. J'ai pris de la copa, parce que j'adore la copa. Surtout quand je mange des salades. Alors, j'aime pas trop prendre des barquettes, mais j'ai pris une barquette comme ça avec de la pastèque, parce que j'adore la pastèque. Le truc, c'est que je suis toute seule à en manger. Christ n'aime pas ça du tout, du tout. Mais genre, il aime pas ça du tout. Et du coup, en fait, quand j'achète une pastèque ou même une demi-pastèque, je la bouffe moi toute seule, mais sur un long moment, tu vois. Le problème, c'est que je la mange toute seule et je finis par avoir un mal de bide, les gars. C'est l'enfer. Donc, je me suis dit, prends une petite barquette, je vais la manger aujourd'hui. Mais je me suis fait plaisir et je suis contente, tu vois. Donc voilà. J'ai pris deux tomates cœur de bœuf. J'en ai pris que deux parce qu'elles étaient vachement chères. Et de toute façon, ça suffira bien pour une salade pour nous deux. J'ai pris un yaourt au citron parce que je voudrais faire un gâteau au yaourt au citron. Donc j'ai pris un yaourt. J'ai pris des fraises, des bois. Des petits oignons parce que... Je sais pas pourquoi il a pris un sac, Chris, pour les petits oignons. Bref. Des petits oignons parce que ça, dans la salade, c'est une tuerie, j'adore ça. Et des carottes déjà râpées. Voilà, voilà, je sais, plastique. Je sais. Bouh! Et j'ai pris... Alors, il y avait un truc spécial Amérique, je sais pas quoi. Donc, j'ai craqué pour des muffins. Voilà. Bon, ils vont pas être... Bon, on verra combien de temps, s'ils sont bons. Et j'avais très envie de pop-corn devant la télé. Et Christine me dit, mais on en a et tout. Alors moi, j'aime que les pop-corn pas caramélisés ni rien, en fait. J'aime juste quand ils ont pété, là, et que... Genre le maïs soufflé, quoi. Et j'adore ça, d'ailleurs. Et il me dit, mais on en a déjà à la maison. Je le croyais pas. Et quand on est rentré, il m'a montré qu'on en avait à la maison. Donc, ne lui dites pas, mais il avait raison. Il m'a cramé. Donc, du movie star. Et puis, bah, voilà. Voilà! Voilà, vous savez ce que mangent les gros maintenant. Est-ce que c'est représentatif de ce qu'on mange, nos courses, Namor? Ouais. Bon, je vous fais vite fait un unboxing de ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ensuite, je file finir le montage du vlog que vous voyez demain. Oh, le vlog de dimanche, quoi. Parce que dans mon bureau, cet après-midi, il va faire 50 degrés. Donc, on va faire ça ce matin. Donc, j'ai reçu ça. Ça vient de chez Inceptio. Bon, comme d'hab avec Inceptio, il y a plein de... Il y a des marque-pages et tout. Il sort le 12 juillet, donc c'est une de leurs prochaines sorties. Donc ça s'appelle La Forêt, de Luca Tatiasim. Voilà. Il est dédicacé, merci beaucoup. Lors d'une sortie scolaire, il y a 7 adolescents qui s'égarent en forêt et qui se réfugient dans une forêt, dans une cabane abandonnée. Mais ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils veulent s'échapper, ça les ramène toujours au point de départ. Voilà. Ça avait l'air assez dingue. J'avais très envie de le lire. C'est exactement le genre de truc que j'aime lire l'été en plus. Donc voilà. Donc, merci beaucoup Ophélie. Merci beaucoup à l'auteur. Je vais lire ça tranquillou en juillet. Parce que je vous dis, c'est typiquement le genre de lecture que j'aime lire en juillet. Mais quoi, elle crève de chaud. Sa langue, elle touche par terre presque. Et ensuite, j'ai reçu ça. Et je pense que ça vient de Léa. Oui, c'est ça. De Léa Bocadic. Ça doit être un de ses nouveaux marque-pages. Je suppose. Ou alors c'est une lettre d'amour. Bah non, c'est naze, c'est des marque-pages, c'est même pas une lettre d'amour. Honte à toi, Léa. Tu m'as même pas envoyé une lettre d'amour. Donc, sa carte. Un petit mot où elle me met. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'OLC. Faudrait que je lui demande, normalement, elle est censée avoir commencé le livre de Mrs. Book Harmon. Enfin, de Sarah, quoi. Donc, je lui demande si elle a commencé ou pas. Elle a mis ça dans du papier de soie cuivrée. Et on déballe. Et c'est le marque-page spécial été, Slow Life. Les couleurs sont super jolies, j'aime beaucoup. Voilà, donc il est très très beau. Et ben tu sais quoi? Bah non, je peux pas le mettre dans celui de Sarah, il y a déjà un marque-page. Il ira dans ma prochaine lecture. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir son shop de marque-page. Voilà. Voilà, voilà, merci Léa. Et merci Ophélie, Inceptio. Et voilà, du coup, ben voilà, les deux petits cadeaux du jour. Enfin, les cadeaux. Ouais, si, on va dire que c'est des cadeaux, quoi. Donc voilà, je vais boire un coup. Je me suis fait mon tumbler à la menthe, là. C'est le spécial 30 ans de Disney. Je vais monter ma vidéo et puis je vous reprends dans l'après-midi pour parler lecture et tout. Je sais pas si on bouge, ça fait. D'accord. On sait pas. On irait bien sur la côte, mais le problème, c'est que déjà, quand on a vu là les bouchons qu'il y a juste pour aller faire des courses,
Je me dis, de Rennes à la côte, ça va être l'enfer aujourd'hui, étant donné que c'est le premier jour des vacances. En fait, on est assez loin pour pas être embêté, entre guillemets, l'été. Mais on est aussi pas assez près pour pouvoir y aller facilement sans se taper des bouchons l'été, quoi. Bref. Il y a des avantages et des inconvénients à tout, hein, c'est comme ça. voilà. Je me tais? Oui, je me tais. Et je vais... vous avez vu ma nouvelle robe? J'ai dit que je me taisais. Je vais monter ma vidéo. À plus. Hey, recoucou. Alors, je vous ai pas repris hier, après le retour de course. J'ai zappé. De toute façon, le week-end, ça risque d'être un peu souvent comme ça. L'après-midi, j'ai bouquiné, j'ai fait d'autres... Et puis, j'ai fait d'autres choses. Voilà. Je sais pas, j'ai pas vu l'après-midi passer. Déjà, on a déjeuné, enfin, on a mangé hyper tard. Donc, l'après-midi, après, elle est passée à une allure pas possible. Et ensuite... Je me suis mis à fond dans ma lecture, j'avais très envie de lire, donc je me suis mise à fond dans ma lecture, et puis bah du coup la journée est passée à une allure folle quoi, à une allure de taré. J'aurais pu clôturer le vlog comme ça, je ne sais absolument pas combien de temps il fait, j'ai pas regardé les rushs, mais c'est vrai que j'aurais pu le clôturer comme ça, mais j'avais quand même envie, j'avais pas envie de faire traîner trop, et je voulais vous parler de ma lecture, et du coup aujourd'hui on est dimanche. J'avais dit que je filmerais pas le dimanche, mais je vais juste vous parler du livre, et puis le reste, j'éteindrai la caméra. Donc on est en milieu d'après-midi, je pense, quelque chose comme ça. Et je viens de terminer Le cœur singulier de Millie Davis, aux éditions Hurlevent. Et c'est un roman écrit par Sarah, par S.A. Yarmon, voilà. Bibou vient de faire tourner tout ce qui était sur la table basse. Donc voilà le bel objet livre. Il est hyper confortable au niveau de la lecture. Vraiment, l'objet livre est incroyable. Je tiens vraiment, vraiment à le signaler. L'objet livre est dingue. Voilà. L'objet livre est hyper confortable, même au niveau de la police d'écriture, au niveau des marches. Enfin, vraiment, c'est un super beau travail. Au niveau qualité du livre, je suis vraiment super contente. C'est top. Et qu'est-ce qu'il en est du roman? Alors, je vous en ai parlé hier, en vous expliquant plein de choses. Et je reviens pas là-dessus. C'était une ambiance... incroyable. Alors, vous savez quoi? On va résumer. Je vais vous résumer un petit peu le roman. Je vais essayer parce qu'il se passe tellement de choses que je vais essayer de vous résumer le roman. Et ensuite, je vous donne l'avis final et global de ce livre. Alors, sur ce livre. Donc, Le cœur singulier de Millie Davis. C'est donc l'histoire de Millie Davis, qui est une jeune fille de 25 ans. Voilà, c'est une jeune fille de 25 ans qui est assez particulière. Depuis qu'elle est petite, tout le monde lui dit qu'elle est singulière. Toute sa famille lui répète ça sans arrêt. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu particulière parce que elle vit carrément dans son univers, en fait. Elle s'est créé un univers propre et elle vit dans son monde à elle, en fait. Elle vit dans son monde dans lequel elle se sent finalement en sécurité. C'est simplement une façon de ne pas affronter le monde extérieur, la vie en fait en général, et plutôt que de, voilà, c'est vraiment sa façon à elle de vivre. Elle entretient une correspondance depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, depuis plus d'une dizaine d'années même, depuis quinzaine d'années, quelque chose comme ça, avec une autre jeune femme qui s'appelle Lyra, enfin Lyra, qu'elle considère du coup Millie comme être sa meilleure amie. Donc tout au long du roman, on a les lettres que Millie envoie à Lyra et les lettres que Lyra lui envoie, donc comme ça on en apprend un peu plus sur chaque personnage. Donc voilà, déjà c'est une grande particularité parce que ça a fait 10-15 ans qu'elles s'écrivent mais elles ne se sont jamais rencontrées et finalement leur amitié épistolaire leur suffit complètement. Donc Millie a grandi comme ça avec cette unique amie quasiment qui était juste une amie de papier. Millie a aussi une autre particulier, c'est qu'elle a écrit un roman qui est un premier tome d'une saga historique, premier tome qui a eu un succès extraordinaire. Le seul petit souci, c'est qu'elle a eu quelques critiques quant à justement la partie historique où on lui disait qu'il y avait peut-être quelques incohérences. Millie est très perfectionniste, donc elle décide suite à ça de reprendre la fac et de faire une fac d'histoire pour en apprendre beaucoup plus sur la période historique à laquelle elle place son roman et de façon à pouvoir finalement écrire la suite de l'histoire avec aucun risque d'incohérence. Donc elle va reprendre la fac et pour elle c'est quelque chose de très difficile parce que ça chamboule un petit peu ses habitudes et tout ce qui peut chambouler ses habitudes pour Millie c'est très compliqué. Donc elle va reprendre la fac et elle va se nouer d'amitié
Et elle va retrouver quelques amis à la fac, mais pour elle, les relations sont quand même assez difficiles. Elle veut, à côté de ça, préparer la suite de son roman, donc la suite de sa saga historique. Donc, tout au long du roman, on a un journal de lecture, en plus du roman. Alors, vous avez l'histoire courante, les lettres et le journal de lecture, donc d'écriture plutôt. Donc, c'est un journal dans lequel, en fait, comme c'est pas un premier jet, mais c'est toutes les idées, en fait, qu'elles sont présentes. En fait, c'est toutes les idées que Millie peut avoir, en fait, pour son histoire, des questionnements qu'elle se fait, les recherches qu'il faut qu'elle mène, etc. Donc, voilà, c'est son cahier d'écriture. Donc, on a ces trois choses-là en physique dans le roman. L'autre particularité de Millie, c'est sa famille. En fait, donc, Millie vient d'une famille aisée, vraiment très aisée. Ils ont vraiment une très grande maison. Elle le dit que c'est tellement grand que des fois elle met 10 minutes pour se rendre à une autre pièce. Voilà, c'est vraiment, ils ont beaucoup d'argent. L'histoire familiale est assez particulière. Je vous laisse découvrir parce que je trouvais ça assez sympa. Et surtout, Millie, elle a une très forte relation avec sa grand-mère Maggie, qui est un personnage incroyable, haut en couleur et tout. Et Maggie, elle a un groupe de copines, donc c'est une sexagénaire, hein, il me semble. Elle a un groupe de copines qui ont son âge et elles veulent monter un groupe vegan, en fait, et lutter contre les mangeurs de viande. Elles sont hilarantes. J'ai adoré tous les échanges entre elles, d'ailleurs. Moi, je veux un tome sur la team des grand-mères, c'est-à-dire que il faut créer un livre ou un préquel ou j'en sais rien ou un petit truc bonus, tu vois, ou que quelqu'un écrive une fanfiction, je sais pas, lancez-vous. Il nous faut les aventures du club parce que c'était tellement drôle. Elles font des réunions, elles font des magouilles, elles font plein de trucs. C'était trop drôle. Franchement, c'était trop drôle et j'ai même trouvé que c'était pas encore assez présent parce que bon, vous savez que moi j'aime beaucoup les romans où il y a des personnes âgées, mais vraiment, elles sont tellement drôles. Il y a un petit passage, il y a une femme qui s'appelle Daria dans ce livre, qui est une amie de sa grand-mère, et il y a un passage où Daria, elle dit un truc. Pourtant, le trois quarts du temps, c'est drôle ce qu'elle dit, et il y a eu juste un paragraphe, elle a réussi à me faire chialer, quoi. Tellement c'était émouvant, tu vois, parce qu'elle est touchante. Donc voilà, donc Millie, c'est là-dedans qu'elle évolue. Elle évolue avec le groupe de sa grand-mère, ses courriers, son journal d'écriture, et là, la reprise de la fac. Voilà, là, je t'ai dépeint juste l'ambiance du roman, et on va la suivre dans la reprise de ses études. Un de ses amis va lui conseiller, en fait, de se rapprocher d'un professeur qui est un prof, il s'occupe des archives, en fait, il enseigne, alors c'est trop long le mot, je sais plus ce que c'est, mais en gros, il s'occupe des archives, et en fait, il lui dit, va le voir, il va t'aider à faire des recherches et à trouver ce dont t'as besoin. Donc Millie va se rapprocher du professeur Burton, et ensemble, ils vont mener quelques recherches pour découvrir tout ça. Donc ils vont aller feuilleter dans des vieux livres. En fait, je pense que en tant que lecteur, tu peux que aimer l'ambiance de ce livre. Bon, déjà, voilà, je vous ai dit l'ambiance familiale, le fait qu'elle écrive, donc il y a un journal d'écriture, les lettres, donc tout ce qui va être histoire épistolaire, et puis t'as les recherches au niveau des archives, où là on va être plongé dans les vieux livres, dans tout ce travail là qui était hyper intéressant et c'est super beau. Et puis au cours de ses études, elle va être amenée à faire un voyage en Écosse, et alors elle te décrit l'Écosse, tous les endroits où je rêve d'aller. J'étais en mode oh my god, là j'étais à deux doigts de prendre un billet d'avion et de me casser, tu vois. Voilà, je pense que si vous aimez tous ces éléments, vous allez passer un excellent moment de lecture. Honnêtement, j'ai trois points de vue, moi, sur le roman. C'est très étrange, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai trois avis sur le point de vue. J'ai un énorme coup de cœur pour l'ambiance. Mais vraiment, je peux pas dire autrement. J'arrivais pas à le lâcher et pourtant, je prenais mon temps. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui lit très très vite. J'ai limite une lecture automatique et du coup, je vais vraiment, vraiment, vraiment vite. Là, j'avais envie de savourer chaque mot, chaque phrase, parce que ça créait vraiment une ambiance dans laquelle je me sentais mais tellement bien. Il y avait rien autour de moi, je jouais pas sur mon téléphone, je calculais rien d'ailleurs, j'étais dans mon truc. Ça, c'est assez fort, je trouve, parce que vraiment, j'étais super bien et j'ai adoré cette ambiance. C'était, moi, vraiment, voilà, je vous dis, je vais faire trois points. Donc moi, gros coup de cœur pour l'ambiance et je vous conseille réellement de vous plonger dans cet écrit parce que, oh, qu'est-ce que ça fait du bien, je vous dis, de prendre le temps de savourer, c'était génial, franchement, c'était génial. Ensuite, j'ai eu un énorme crush pour le gang des grand-mères, moi je l'ai appelé comme ça, hein, le gang des mamies. Elles sont attachantes, elles sont hilarantes. Voilà, j'avais envie d'en savoir plus sur Daria. Ça me laisse encore, tu vois,
ah, il me manque un truc. J'ai envie de rester avec elle. J'ai envie d'en apprendre plus. J'ai envie d'en savoir plus sur le passé de Maggie, qui remet beaucoup en question sa position de femme de quand elle était jeune, en fait, et qu'on lui ait imposé un mariage, qu'elle ait dû avoir un enfant, etc. Elle remet beaucoup en question la position de la femme, et je trouve ça super intéressant, et j'aurais voulu en avoir encore plus. Daria, c'est un bonbon. Elle a pas de filtre, mais en même temps, elle est attendrissante, et t'as envie d'en savoir plus. Il y en a une qui veut absolument caser Milly avec son petit-fils. Vraiment, la dynamique qu'il y a entre ces femmes était tellement cool, vraiment super, un peu dans son genre. Et du coup, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré ces passages-là. On peut que, alors ça, c'était mes deux premiers, et le troisième, on ne peut que aimer le personnage de Milly, qui est fragile, touchant, et qui est en train, en fait, t'as l'impression d'assister. C'est vraiment le schéma que j'avais dans la tête, c'était de partir d'une toute petite chenille fragile, mais très 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 fragile, qui va tout doucement, en fait, devoir sortir de son cocon pour devenir un splendide papillon. Tu vois, bon, je fais de la poésie, les gars. Mais c'était un petit peu ce que je ressentais. Et Milly est très attendrissante, très fragile, peut-être un poil trop fragile pour moi. Peut-être un poil, voilà. Peut-être un poil trop fragile pour moi au niveau du personnage de Milly, mais c'est un tempérament, voilà. Mais c'est pas le tempérament dont moi je suis le plus proche, tu vois. Mais voilà. Mais elle est extrêmement touchante. Hein. Elle est franchement, on peut pas ne pas l'aimer. C'est pas possible en fait. Et d'ailleurs, les personnages du roman ne peuvent pas ne pas l'aimer non plus. C'est impossible. Je pense que personne. Il y a un attrait et elle contribue largement dans sa narration. Elle contribue largement à cette ambiance pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Mais on a aussi l'histoire qui surtout se développe à partir de la seconde partie. Donc il y a trois parties dans le roman. On a l'histoire qui va se mettre en place. Alors, je l'ai vu venir comme le nez au milieu du visage. Donc ce n'était pas une surprise, mais j'avais pas forcément envie d'avoir une surprise, donc c'était pas grave. Mais c'est vrai que bah moi j'ai tout vu venir. Voilà, je peux pas vous spoiler, mais j'ai vu venir tous les éléments de surprise entre guillemets. Je les ai vus venir. Maintenant, est-ce que c'est grave? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit vraiment grave parce que j'étais intriguée quand même à me dire, ok, comment elle va nous le dire? Comment ça va être dévoilé? Comment les personnages vont s'en rendre compte? J'avais envie de savoir tout ça aussi, donc c'était pas vraiment un souci. Voilà. Du coup, c'est une excellente lecture. Si on met tout dans la balance, c'est vraiment une excellente lecture avec un énorme coup de cœur pour l'ambiance. C'est vraiment la première fois que ça me fait cet effet-là, j'arriverai pas à décrire. Elle a quand même réussi à me faire bouffer 750 pages en deux jours alors que j'ai fait plein d'autres choses. Mais au moment où j'étais dans ma lecture et fallait... Enfin voilà, j'étais dedans quoi. Je vous conseille de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, de découvrir ce roman, de laisser une chance en fait à Milly, de vous emmener dans sa vie. De vous faire voilà aller à la rencontre des personnages parce que vraiment je pense que vous ne pourrez que être grandi de passer autant de temps avec Milly, avec Daria, avec Maggie. Je pense que voilà, c'est des personnages qui vont finalement vous nourrir aussi, et vraiment aller à leur rencontre, ça peut que vous faire du bien. Alors je suis d'accord avec le fait que c'est un livre très cocooning et qu'il se prêtera parfaitement à l'automne. Je peux pas vous dire le contraire, je suis complètement d'accord, surtout avec ce que je vous décris par rapport à l'ambiance. L'ambiance, elle est incroyable. Moi, je l'ai lu en plein été, ça m'a pas gêné, hein, cela dit. Pourtant, il fait vraiment très chaud, là. La preuve, tous mes volets sont fermés. Il fait très, très chaud. Donc voilà, ça m'a pas gêné que ça soit en plein été. Mais je comprends. Je comprends ce désir et ce souhait de le lire en automne. Mais je vous reconfirme ce que je vous ai dit hier. La maison d'édition a besoin de vous aujourd'hui. Elle n'a pas besoin de vous en octobre. Elle a besoin de vous là, maintenant, au mois de juillet. C'est tout, en fait. Donc maintenant, si vous avez vraiment envie, si je vous ai donné envie de lire le livre, si vous aviez déjà envie de le lire, c'est maintenant qu'il faut le commander, en fait. Voilà. Je peux pas vous dire autre chose. Je peux pas vous dire autre chose. Voilà. Je suis pas rémunérée, je suis pas payée ni rien. C'est juste, je vous parle comme je parlerais à ma meilleure pote à côté. Voilà. Vous le savez en plus que je suis comme ça. Je peux pas vous dire autre chose que, voilà, si vraiment vous voulez lire ce livre, même si vous voulez le lire dans 6 mois, c'est aujourd'hui qu'il faut l'acheter. Il faut vraiment donner de la force à ce roman. Ce serait tellement, tellement, tellement dommage qu'il soit complètement enterré et noyé sous plein d'autres choses. C'est vraiment le moment, en fait. C'est maintenant qu'il faut lui donner de la force. C'est maintenant qu'il faut le commander. C'est maintenant qu'il faut partager quand vous voyez
publication autour de ce livre. Si vous le recevez, partagez vos unboxings. Même si vous avez que 3 personnes sur votre compte, on s'en tape. Partagez à fond. Je pense qu'ils ont... je parle des personnages, en fait. Ils ont besoin de vous pour exister. Et vous savez, je suis toujours... Alors, c'est peut-être une façon romantique de voir les choses, j'en sais rien. Mais j'ai toujours l'impression qu'en fait, les personnages d'un roman ne peuvent vivre que s'ils sont découverts et s'ils sont lus. Et que voilà, qu'en fait, ils ne vivent que à travers les autres et à travers le lecteur. Et en fait, voilà, donnez-leur la chance de vivre encore plus longtemps et d'aller encore plus loin. Parce que ça en vaut vraiment le coup, en fait. Je vous dis, c'est pas un coup de cœur, le roman en soi, mais... Mais il est tellement beau et vraiment, je pense que vous y perdrez rien, en fait, en découvrant cette histoire. Voilà, moi, je peux que vous conseiller d'acheter ce livre et de, voilà, en plus, vous ferez vraiment un très beau cadeau. Et entre nous, on sait très bien que de toute façon, vous craquez toujours pour des livres. Donc, autant craquer aujourd'hui et en plus de vous faire un magnifique cadeau, vous soutenez vraiment un travail superbe, que ce soit le travail de la maison d'édition, que ce soit le travail de l'autrice. Hein. C'est pour les deux, c'est pareil. Voilà. Parce que c'est vraiment un petit bijou. Je vous remets les liens dans la barre d'infos. Voilà. Alors oui, vous devez vous dire, ah, la meuf, elle soutient à mort. Oui, 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 et oui, oui. Parce que c'est un projet en lequel... C'est pas français, si ça, je crois vraiment très fort en ce projet. Je crois vraiment très fort en ces 3 femmes qui ont monté ce projet. Et j'ai envie de les soutenir, en fait. J'ai envie de les soutenir parce que être une femme qui entreprend et qui entreprend de grandes choses, c'est dur aujourd'hui, encore plus dans le milieu de l'édition, un milieu de macho et un milieu où les femmes se font harceler constamment. Faut être honnête, hein, au bout d'un moment, vous en avez vu des histoires. Il suffit d'aller voir dans Mediapart et tout. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Du coup, moi, je crois très fort en leur projet et elles y vont avec des très belles intentions et j'ai tellement envie de voir jusqu'où elles peuvent aller. J'ai tellement envie de lire les autres pépites qu'elles vont nous publier. Que j'ai envie de soutenir à fond parce que j'ai envie que cette maison elle avance en fait et voilà, si juste je peux faire ce petit truc et ben je le fais et j'espère que vous allez m'aider et que vous allez contribuer à bah à lui donner toute la force et tout l'amour et toute la visibilité dont qu'elle mérite vraiment en fait et vraiment ce roman mérite d'être lu, donc foncez 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 foncez. En plus, j'ai tellement envie d'échanger avec vous autour du livre, je vous jure, j'aimerais tellement pouvoir en parler. Il y a plein de scènes que j'ai envie d'échanger, genre il y en a une, j'ai eu un fou rire. En fait, c'est ça qui est fort, c'est que dans la première partie, je suis passée en l'espace de 50 pages d'un énorme fou rire, mais genre quand je vous dis fou rire, c'est fou rire, à je chiale comme une madeleine. Et ça, les deux, c'est à cause de Daria. Donc, gros big up quand même. Bref, j'arrête. Ça fait 20 minutes que je parle de ce bouquin. Vous savez que si j'en parle aussi longtemps, c'est que vraiment, je l'aime. Ça faisait longtemps que... En fait, ça faisait... J'y ai réfléchi. Et vous savez, je me suis rendu compte que j'ai eu très peu déjà j'ai eu très très peu de coups de cœur cette année, pour l'instant en 2022. Ça m'attriste un peu, je dois dire. Et surtout, j'ai eu des lectures très sympas. Voilà, on va pas se mentir, j'ai eu des lectures très sympas, mais des lectures qui vont marquer mon année 2022. Je crois que pour l'instant, je les compte. Je crois que j'en ai 3 ou 4. Oui, pas plus. Et honnêtement, je peux vous garantir et voilà. Quoi te faire, si je mens, je me retrouve le cul par terre, et ben je peux vous assurer que dans ma vidéo des meilleures lectures 2022, celui-ci y sera, c'est une certitude. Donc voilà, c'est tout. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, je vais galérer à monter tout ça les gars, mon dieu. Voilà, du coup maintenant il faut que je retourne dans mon chariot et que je sélectionne une nouvelle lecture. Vous avez vu la dernière fois à quel point j'ai galéré. Aïe, 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 aïe. Je sais pas du tout vers quoi aller, en fait. Je m'étais dit aussi, je fais 3 livres de mon chariot et du coup, je peux prendre un hors chariot. J'aimerais bien acheter... Non, j'aimerais bien lire un des livres que j'ai acheté vendredi. Mais en même temps, je me dis, meuf, t'es bien partie, essaye de vider encore le chariot, là. Le problème, c'est que tous ceux qui me font envie dans le chariot, vous avez vu, c'est des bricasses, quoi. Je vais réfléchir. Je vous tiendrai au courant demain. Je vous remercie de tout cœur, vraiment de tout cœur, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je voulais vous remercier parce que je suis à jour dans les commentaires là, mais bon, moi j'ai un jour de, enfin on a un jour de décalage, vous et moi. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que vous laissez toujours autant de commentaires et je vous jure, vous imaginez pas à quel point moi ça me ça me touche et ça me fait un bien fou, c'est un truc de dingue en fait. Donc merci, merci, merci d'être là parce que vous rendez aussi mon mois de juillet vachement plus sympathique et du coup merci, je suis trop contente de partager tout ça avec vous. Et merci pour tout ce que vous dites sur mes retours d'écriture, ça me fait trop plaisir. J'avais tellement peur de vous ennuyer avec ça et en fait vous êtes à fond et ça me fait trop plaisir.
parce que je vous jure que ça me fait du bien d'écrire avec vous. J'aime trop ça en fait. Donc merci. Voilà, et merci de comprendre les choses que j'essaye de vous dire aussi et de rien mal prendre. Ça prouve que vous et moi, on s'entend, on se comprend bien. Parce que voilà, jamais je vous ferai de reproches. En général, quand je parle, même si des fois vous avez l'impression que je m'emporte et tout, c'est mon caractère. Je suis comme ça quand quand quelque chose me tient à cœur, j'ai du mal à me centrer. Mais vous savez aussi que je respecterai toujours vos choix, vos volontés et que je vous respecte vous en fait. Et voilà, c'est tout. Bref, je suis partie dans un truc là, les gars, on ne m'arrête plus. Bref. Déjà, tu vois, il y a trop de bref là. J'ai chaud. Bon, je vais me choisir une nouvelle lecture. Je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve demain dans un autre vlog. Et puis, c'est tout. Je vous fais des bisous. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose.